Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit état des lieux sur Flutter, sur ce qui est possible de faire avec Flutter, et je voudrais montrer un petit peu la puissance qui se cache derrière tout ça. Et notamment, ici, bon, c'est une petite application toute simple qui est, qui est en cours de développement, et j'aimerais bien la démarrer sur différents supports, et absolument tous les supports que propose Flutter. Et notamment, bah, tu le sais peut-être pas, mais Flutter te permet justement de pouvoir développer des applications sur absolument tous les supports, que ce soit du mobile, que ce soit... Euh, bah, que ce soit du web ou encore que ce soit de l'application bureau. Alors commençons euh, par déjà euh, les applications de bureau d'ailleurs, euh, concrètement euh, là je suis sous macOS, euh, j'ai une application euh, qui est donc une application connectée à Firebase, j'ai un petit serveur en local euh, avec Firebase et notamment les, les Firebase Emulator Suite euh, qui est proposé par Firebase euh, et cette application eh bien je peux très bien la démarrer dans un environnement de type desktop, d'accord, avec une session. Donc là je suis actuellement connecté, si je me déconnecte, j'arrive sur un formulaire de login et ça ça me permet justement de pouvoir exécuter mon application directement sur une application de bureau. Donc là là-dessus, c'est check, ça fonctionne. Flutter fonctionne plutôt bien là-dessus et te permet de créer des applications de bureau. Alors je suis sous Mac actuellement, bien évidemment, il faudrait tester sous Linux et sous Windows, mais je suis à peu près sûr. En tout cas, je pense pour pouvoir euh, m'avancer sur le fait que ça fonctionne quand même suffisamment bien aussi sur les autres environnements. Donc ça c'est une application qui est connectée euh, à Firebase, ça veut dire que concrètement j'ai un dossier euh, macOS, dans ce dossier macOS j'ai une configuration spécifique pour me connecter euh, notamment avec euh, les services de Google notamment par l'intermédiaire du fichier euh, Google service infoplist euh, et donc j'ai fait une configuration avec ma macOS. Donc macOS ça fonctionne. Qu'en est-il maintenant des applications mobiles iOS et Android et bien concrètement j'ai exactement la même configuration notamment sur, sur iOS donc si je vais sélectionner mon émulateur iOS il va se démarrer dans une fenêtre juste à côté et on va pouvoir regarder ensemble si le comportement est identique et notamment si ça me permet de faire exactement la même chose donc je vais pouvoir démarrer mon application notamment en démarrant le main point d'art en faisant un play là-dessus et ça va me permettre de pouvoir démarrer cette application sur un téléphone mobile. Alors je ne vais pas te faire Android en tant que téléphone mobile, tu te douteras bien que si ça fonctionne pour une configuration iOS, ça peut aussi bien fonctionner sur Android, mais l'idée c'est de te montrer qu'avec une seule configuration avec un seul langage de programmation, et c'est vraiment la force que Flutter a aujourd'hui, avec un seul langage de programmation très simple et eh bien tu as la possibilité de développer des applications web, mobile et de bureau. Donc là j'ai une seconde configuration qui est celle de iOS, d'accord Donc iOS encore une fois, j'ai une configuration bien particulière, notamment dans le runner, j'ai aussi une configuration aux différents services de Google et notamment si tu regardes au niveau de Android, parce qu'on peut faire aussi la comparaison, sur Android je vais utiliser un google service.json qui est une configuration, donc ça va fonctionner aussi sous Android. Les configurations sont peut-être un petit peu différentes mais au final la configuration va vraiment être associée, va être lié euh, à l'environnement dans lequel tu vas développer ton application. C'est-à-dire que tu vas avoir une configuration à mettre en place partout, euh, notamment une configuration spécifique à Android, à iOS, à Mac, au web. Et une fois que cette configuration va être faite, va être stable, et eh bien pour le coup, derrière, tu vas pouvoir euh, développer tes applications de façon euh, standard et utiliser exactement le même code. Ou à quelque chose près, je devais dire ça dans quelques instants, mais utiliser exactement le même code pour tes différents environnements. Alors, le temps que ça démarre sur iOS, parce que ça prend toujours une plombe de pouvoir builder sous iOS. Il euh, y a aussi la configuration pour le web, donc notamment ici j'ai une configuration pour le web ici, on verra ça un peu plus tard dans cette vidéo euh, au niveau du démarrage. Euh, à cet endroit là j'ai un index.js où dedans j'ai embarqué euh, des configurations euh, qui sont liées à Firebase aussi. Et notamment bah ici tu vas pouvoir justement euh, importer tes propres codes. Notamment j'ai un script qui s'appelle appjs. Alors je ne te montre pas comment le script est fichu parce que j'ai mes codes euh, de comment dire j'ai mes, mes codes à l'intérieur de, de connexion à Firebase et je n'ai pas non plus envie de te les montrer. Mais euh, concrètement ici, je vais avoir ce fameux script là qui va me permettre de stocker les différents codes de connexion euh, pour Firebase et de pouvoir exécuter eh bien, un navigateur web avec une application euh, à l'intérieur. Donc ça euh, concrètement euh, c'est ce qui me permet justement de pouvoir différencier les différentes configurations euh, au niveau de mon application et notamment encore une fois avec un seul code de pouvoir coder plusieurs applications différentes en une seule fois. Ce qui va différer euh, au final c'est la taille des écrans. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu vas développer sur iOS par exemple ou sur Android ou sur un plus petit euh, format mobile, d'accord, ou encore sur une application de bureau ou encore sur le web, eh bien tu vas avoir des écrans qui vont être complètement différents notamment aussi par exemple si tu développes pour un iPad ou une tablette. Donc la taille des écrans vont être différents. Ça veut dire que euh, il ne va pas y avoir de spécificité euh, ou de, euh, de choses complexes à mettre en place, c'est simplement une certaine forme de logique euh, à mettre en place et notamment de créer un espèce de template qui va s'adapter à tous les formats que tu vas avoir au niveau euh, justement des différents écrans. Je m'explique euh, ici, par exemple, pour euh, justement la partie login. Alors, je vais aller dans les screens, dans les screens, je vais aller dans login dans login, euh, je vais avoir un login, donc ce widget là login euh, qui va être utilisable pour absolument euh, toutes mes vues, d'accord, donc c'est un widget login euh, standard, d'accord, j'ai une colonne à l'intérieur, dans cette colonne là euh, j'ai le titre de mon formulaire de login, euh, j'ai euh, mon champ euh, formulaire et puis j'ai un bouton qui va me permettre de switcher pour aller au formulaire d'enregistrement. Donc c'est vraiment quelque chose de standard. Par contre ce qui va changer, c'est que au niveau de mon scaffold, là où je vais normalement importer mon login directement, je vais me créer un petit widget qui va s'appeler, alors moi je l'appelle euh, responsive, ce widget. Là, mais tu l'appelles un petit peu comme tu veux, et notamment, je vais avoir euh, une, une propriété qui va être spécifique au mobile, une propriété qui va être spécifique aux tablettes, une propriété qui va être spécifique pour les euh, desktops, pour les environnements de bureau. Et dans ces différents euh, environnements, et eh bien je vais en fin de compte aller importer mon formulaire de login dans un petit wrapper que j'aurais créé précédemment, avec la possibilité d'ajouter par exemple une marge à gauche et à droite euh, si je veux justement euh, afficher mon login euh, au centre par exemple sur les tablettes ou encore sur les formats de bureau. Par contre, quand je suis sur un format euh, standard, donc le format mobile, dans ces cas-là, je vais afficher en full screen euh, mon, comment dire, mon login. Alors là, c'est un exemple uniquement sur un formulaire de login. Bien évidemment, il y a des interfaces qui sont plus compliquées euh, qu'un simple formulaire de login, mais en soi, tu as la possibilité de différencier, de structurer ton application de telle sorte à n'afficher. Ton formulaire que sur différents supports. Notamment ici, tu vois, on est sur le support mobile. Si je vais démarrer par exemple le web pour changer un petit peu, hop là, c'est parti, on va démarrer le web à ce niveau-là. Escape, toc. Ici, on va démarrer Start Run sur le web. On est bien sur le web. Euh, et bien concrètement, ça va me dévarrer mon navigateur web euh, avec sa propre connexion, avec ses propres paramètres, sa propre configuration. Et donc, notamment derrière, euh, et bien, en fonction justement de si je suis sur un téléphone mobile ou encore sur le web, et bien, je vais afficher une interface qui va être semblablement différente. Alors là, j'affiche euh, le web parce qu'on n'avait pas encore vu le web, mais ça marche exactement pareil pour une application de bureau de type euh, macOS. D'accord Ça va fonctionner. Euh, identiquement pareil. Aussi bien sur une application de bureau que sur un téléphone mobile. Donc, j'ai une petite, euh, en fin de compte, j'ai une classe qui s'appelle Responsive. Et dans cette classe-là, ce que je fais, c'est que je vais relever les différentes tailles d'écran que je vais avoir au niveau euh, de mon application. Je vais utiliser un Layout Builder euh, qui va me permettre justement de pouvoir écouter, entre guillemets, ces changements d'état. Parce que bien évidemment, euh, si tu te mets, euh, euh, enfin, comment dire, si tu, si tu redimensionnes euh, ton, ton écran, ton device, et bien concrètement, les différents éléments qu'il y a à l'intérieur doivent être aussi redimensionnés et tu vas pouvoir passer certains éléments de ton interface graphique, par exemple du format mobile peut-être au format tablette, qui peut-être aussi ira au format je sais pas, au format desktop. Donc j'ai euh, tout simplement une classe responsive qui prend les trois propriétés que je t'ai montrées au préalable mobile, tablette, desktop, qui va prendre des dimensions spécifiques en fonction de ces différents supports, euh, si c'est un support mobile, euh, tu vois, si c'est isMobile, isTablet ou IsDesktop. D'ailleurs, au passage, euh, elles sont, euh, ces méthodes-là sont en statique, donc ça veut dire que je, je peux les appeler euh, absolument n'importe où. Et notamment derrière, je vais avoir mon layout builder que je vais euh, envelopper, euh, où je vais envelopper un widget. Et ce widget-là bah, va s'adapter en fonction du support sur lequel je suis euh, au niveau de mon interface. Donc là, j'ai mon interface web qui est en train de s'ouvrir, qui va se rafraîchir dans quelques instants, euh, qui, euh, bah, qui peut ressembler pour l'instant à une application mobile. Voilà, ça arrive. Et si je viens à redimensionner en fin de compte cette interface-là, d'accord, euh, au niveau de mon desktop. Alors, s'il veut bien rafraîchir correctement la chose. Je vais pouvoir redimensionner ma vue. Et notamment, tu vois que quand je commence à dépasser une certaine taille d'écran, eh bien, celle-ci vient à se redimensionner. Un petit peu comme, un peu comme si tu utilisais un bootstrap au final, hein, un bootstrap ou, ou un framework front CSS, d'accord Eh bien, ton CSS va s'adapter par rapport à la taille de l'écran et notamment, tu vas pouvoir resize tes différents supports au niveau des tes interfaces graphiques. Donc tout ça, c'est des choses que l'on apprend ensemble dans la formation Flutter Ultimate. Un lien dans la description qui te permet déjà d'accéder à trois formations complète et gratuite sur flutter notamment une première formation qui va te permettre de mettre un pied à l'étrier et de commencer directement à créer ta première application web et mobile avec flutter donc je te montre vraiment plein d'exemples c'est déjà la première formation fait déjà une heure environ et notamment tu vas avoir deux autres formations encore une fois celles-ci sont gratuites aussi dans lesquelles tu vas apprendre à concevoir tes applications et puis aussi à utiliser les différents outils qui sont euh, bah, importants à utiliser dans le cadre du développement de tes propres applications web et mobile donc, tout ça se trouve dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour. Et sur ce, si tu apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.